je l'ai passé en quatre formes. Hein. Il y a une épreuve, il y a deux formes, l'épreuve pratique et l'épreuve théorique. Souvent par l'épreuve théorique, il y a un QCM qui est noté sur 6 points, une question orale, il faut répondre en 30 secondes, c'est noté sur 4 points. Après, il y a deux épreuves pratiques, une épreuve de déplacement et une épreuve de technique, chacune notée sur 5 points. Donc, le premier blason qu'on passe, la première année d'escrime, quel que soit son âge, c'est le blason jaune. Ensuite, on passe le blason rouge. Il faut être blason jaune pour passer le blason rouge et il faut être pupille. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont encore poussins, ils doivent encore attendre un petit peu avant de passer le rouge. Et le troisième blason, c'est le blason bleu et là, il faut être benjamin. Donc, si on n'est pas benjamin, il faut des fois passer un petit peu. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais passer donc les blasons pour ceux qui n'ont pas la couleur. Voilà, je note, vraiment, ils ont une note, et puis ils ont proche la mienne. Et ceux qui ne peuvent pas avoir la couleur qui leur manque, parce qu'ils sont pas obligés de la passer, ça arrive, il y en a qui défendent. Et bien, à ce moment-là, ils font quand même le passage des blasons comme tout le monde, et je les récompense selon, selon des valeurs, ça peut être des qualités. Ils ont tous des qualités, aux enfants. Voilà. Donc je leur donne une récompense qui reflète un petit peu la qualité. Voilà. Donc c'est comme ça que je procède. Donc on va commencer par le blason jaune. Alors cette année, il y en a eu 10. Il y a eu 10 attributions de blason jaune. Alors, hein, voilà. Donc mis en note avec la main sur 20, c'est François, tu viens, tu te lèves. Merci, on applaudit. Précision soutable. Voilà, en plus il est grand. Bravo, je te serre la main. Voilà, pour ton corps, pour les photos. Hein. 18,5 avec Romain. Nous avons trois d'entre eux qui l'ont passé.
qui est organisé par le département. Donc il faut savoir que le blason rouge et le blason bleu sont des diplômes qui sont remis par le département quand les enfants font de la compétition. Sinon, c'est moi qui m'en occupe. Et comme dans le jour, il y en avait trois qui faisaient de la compétition. Donc Mathieu Marchand n'est pas là, mais il en faisait partie. Ben, on a trois des quatre qui l'ont passé lors des troisième entraînement des jeunes. Voilà. Donc on les applaudit bien fort. Donc là, on va passer aux choses sérieuses, parce que c'est juste une raison en bleu, hein, donc ça c'est niveau largement au-dessus. Meilleure note. Mathieu Pirelli, 14 sur 20.
s'est accroché, c'était difficile. Cette année, les épargnes qui s'est accroché, c'était encore difficile, mais c'était quand même mieux. Et je donne à la main pour le coup d'effort. Voilà, merci de moi. Alors, vous pouvez vous asseoir et on va passer à une autre catégorie de personnes. J'appelle Combe et Lucas. Voilà, tout le monde te voit. Donc, Combe et Lucas, on va commencer ici cette année. La particularité de Combe et Lucas, c'est qu'ils sont dans un groupe avec un niveau assez fort. C'est pas facile pour eux. Ils sont accrochés. Ils m'ont montré des choses. On les applaudit. Je pense que ça serait peut-être la récompense du courage. Bon, je suis comme ça. Hein. Donc c'est bien, il faut continuer. Il faut monter pour l'envoyer. C'est bien. Et je suis sûr que ça sera encore plus que les musiciens, en tout cas, c'est ce que j'espère. Je ne vais pas trop. Et j'appelle dans une autre catégorie, meilleure formation de l'année, François. Tu viens, François? Alors, François, la taille qu'il a, quelle âge? 14 ans, vous voyez, 14 ans. Il va presque tout passer, je pense. Sinon, moi, j'appelle, il va être devant moi. Voilà, donc lui, il est limite prêt à rejoindre le groupe d'amis, hein. Parce que vous êtes là, et voilà. Il a fait une année exceptionnelle, un cercle exemplaire. Ouais. Moi, je trouve qu'à travers ce jeune garçon, il y a vraiment beaucoup de qualité. Donc, on l'applaudit. Voilà, qui reprend un petit peu le poil de la bête parce qu'on avait un petit peu perdu cette catégorie et ça a repris l'an dernier. Voilà, et il y a vos parents qui ont rejoint les rangs, donc mes papas. Voilà, donc en plus des adolescents qu'on a. On en a perdu parce qu'après le bac, forcément, il y a des alertes trop, hein, ça fait partie des alertes, donc on en a à faire. Mais on a un groupe sympa. S'il y a des parents qui veulent s'y mettre, il y a toujours un essai. L'an prochain, un essai, même deux. Voilà. De manière à étoffer ce groupe, parce que plus on est nombreux, plus on rit. Voilà. Alors j'appelle Hugo, Gauthier, Pierre et Olivier. Alors, je ne sais pas quels sont les résultats du bac. Alors, j'espère pour vous l'année prochaine. Voilà, en tous les cas, je peux aussi vous parler un petit peu en deux, trois mots d'Olivier. Alors, parce qu'Olivier a fait les championnats départementaux des Yvelines, à Haute-Ouen, ici. Première année d'escrime, donc à la fin de l'année, il a quand même illustré le club. C'était des tireurs qui avaient une certaine expérience de la compétition, donc c'était pas facile. Mais voilà, il a voulu être présent, il a affronté son match de soirée, tout ce qu'il savait. Il s'est donné, voilà, on l'a pas dit encore. Voilà. Moi, je voulais remercier Alexis aussi. On espère vous retrouver l'année prochaine. Alors maintenant, l'année prochaine, il n'y aura pas de grandes nouveautés parce que pas tellement en avance. L'année était assez difficile pour l'équipe du jeudi parce que d'un calendrier, deux jours fériés et d'élections d'autre part. Parce qu'aujourd'hui, les communes,
Donc, ça nous a pris, dans la tabelle Cavalli, il n'y a eu qu'un seul tour au municipal, parce que sinon, ça aurait duré encore plus. Donc cette année, c'était une année un peu dure pour le jeudi. C'est la raison pour laquelle on a déplacé la fête aujourd'hui, puisqu'elle devait être l'origine le jeudi dernier, et mon idée c'était que voilà, c'est un coup en plus parce que les pauvres le jeudi c'est pas évident. Et moi j'ai écrit à la mairie parce que j'ai interrogé la mairie pour avoir une solution pour passer un mois en mai. J'attends toujours la réponse aujourd'hui, 1er juillet. Ça c'est le projet. Au niveau du matériel, on va continuer la location du matériel pour les débutants et ceux qui ne font pas la compétition. Ceux qui font la compétition, la première année, on prête encore, mais après, il faut commencer à ce que chacun ait ses équipes, parce que nous, on a la fonction et pas les moyens de payer tout le matériel aux enfants. En fait, voilà. Ça, c'est ce que je dis tous les ans, c'est que, on prête toujours au tout début quand les élèves, parce que des fois, ils ne savent pas s'ils vont accrocher la compétition, on prête pour les entraînements des jeunes. Où les élèves sont lancés dans l'idée que la compétition c'est quelque chose qu'ils veulent faire. À partir du moment où ils font le circuit en Benjamin ou même avant, il faut investir sur le matériel parce qu'on ne peut pas. Les clubs alentours, dès la deuxième année, il faut avoir tout ce matériel personnel. Tout. Bon, les horaires, ça ne va pas trop changer. Les groupes, ça sera toujours, on ne peut pas déjà vous dire, ça dépendra des inscrits, des réinscrits, des nouveaux. Voilà. Pour les réinscriptions, vous aurez un mail fin août. On vous donnera toutes les modalités, mais vous pouvez vous réinscrire par mail et fichier attaché. Si vous avez des questions, peut-être plus précises.